L'école Jacqueline Duhem, c'est une école de 7 classes, 2 maternelles et les autres, plus une classe Ulysse. Alors, le dispositif Ulysse, c'est on accueille des enfants qui ont des handicaps et qu'on accueille dans les classes traditionnelles. Alors, le projet école, il change tous les ans. Cette année, on a choisi de lier le projet d'école à l'art, parce que l'année dernière, on avait lié ça à la musique, et cette année, c'est plutôt les arts visuels. On va visiter toute l'école, donc c'est un choix d'emmener toutes les classes dans un musée en fin d'année. Et puis, tout au long de l'année, on travaille sur les artistes qu'on va trouver dans ce musée, sur les travaux de l'artiste de ce musée qu'on va reprendre dans l'année. Il y a par exemple, moi je vais aller avec mes élèves faire du land art, puisque c'est un lien avec l'artiste que l'on va découvrir en fin d'année. Alors en CM1, CM2, j'ai 29 élèves, ça se passe plutôt bien, même à 29. On a plusieurs projets, il y a notamment en fin d'année, l'atelier d'écriture avec qui on travaille, qui est l'atelier d'écriture adulte de la MJC. On a donc le projet artistique commun à toute l'école. On a aussi avec d'autres classes le projet, et c'est ce qu'on fait depuis la rentrée, de travailler sur les émotions des élèves. Et on a aussi plusieurs rencontres sportives et enfin école et cinéma avec ma collègue de CE2. Alors j'ai accepté de faire venir Théolistique, c'est assez simple, parce que je pense qu'il faut que les élèves soient curieux et découvrent tout le temps des choses qu'ils ne connaissent pas, et ça, ils ne connaissaient pas a priori. Et donc j'ai envie que mes élèves découvrent toujours des choses le plus possible nouvelles pour eux. J'ai un élève dans la classe qui, depuis 2 ans que je l'ai, me dit à la rentrée qu'il veut devenir animateur télé. Donc c'est aussi pour lui un lien avec son métier futur, j'espère pour lui.